Le troisième, on plie. Et on tend. Et on ouvre en deuxième. Elles ont 7 ans, certaines 8, et suivent le cours d'initiation. Ici, on apprend les fondamentaux de la danse. 1, 2, 3, 4, 5. Les pointes de pied, les pliés, on commence à sauter. On commence aussi à se placer dans l'espace et à travailler aussi le rythme. Et on échange. Ce visage que vous découvrez est celui de la nouvelle professeure de danse, Emeline Claire. En septembre, elle a pris la suite d'Elisabeth Verlet après 32 années de service à Souffelweyersheim. On change. Ça fait 5 semaines maintenant que j'ai intégré l'école. Donc je commence à connaître les élèves, les élèves commencent à m'apprivoiser et je suis plutôt heureuse d'avoir intégré cette école de danse. 4, on remonte. Diplômée d'État en danse classique, Emeline a débuté son parcours à Strasbourg chez France Domange, a poursuivi à Paris avec Jennifer Goubet. Pour moi, la danse classique, c'est beaucoup de rigueur. Et c'est vraiment un travail du corps où on doit allier la légèreté, la grâce. Mais aussi, il y a tout le côté artistique. On peut se rapprocher du théâtre, en fait. Donc, il n'y a pas que de la danse où c'est que le travail du corps, mais il y a aussi tout le travail artistique. Depuis 5 semaines, les cours avec Emeline. C'est chouette. Penché en avant. Plus, plus. Elle est gentille, drôle et elle corrige bien les défauts. Et on suit sa main, baisser les épaules et grand plié, on ouvre les genoux. Je l'impose aussi aux élèves et des fois c'est pas facile, mais de compter la musique, d'écouter la musique, d'avoir ce rapport si la musique est énergique, si elle est plus calme. Et dégager en dehors. Oui. À Souffelweyersheim, après 3 décennies passées avec Elisabeth, chacun prend ses marques. Emeline entretient l'héritage et impose sa vision. Et on a déjà hâte de voir le spectacle de fin d'année en 2024. Bien, merci Emeline.